Tu trouves que tu peux sortir avant 17h?
avant de célébrer pour le temps, pour la table, je pense qu'on a déjà donné les offrandes. Je n'avais pas donné. Si tu as déjà donné tes offrandes, et si c'est ton temps, je t'autorise de partir. Mais si tu vois que tu peux supporter rester jusqu'à 16h55, pour qu'on clôture ensemble à 17h, restez avec nous. Frère Gris, cette sœur-là dit qu'elle veut chanter, mais quand elle ne voit pas les pianistes, elle est déçue. Donc si tu es là, à tout moment, tu vas l'encourager de chanter. Amen. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Amen. Amen. Fermons les yeux. Dis seulement un mot pour les prédicateurs. Dis aussi un mot pour toi. Que cette parole de cet après-midi puisse ouvrir une porte dans ta vie. Si tu sais que pendant la prédication tu seras fatigué et que tu vas somnoler, je te donne un conseil. Lève-toi seulement, mets-toi debout au coin là pour écouter la parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est un moment glorieux, le temps de ta parole. La Bible dit, Seigneur, toute chose passera, mais néanmoins une chose qui ne passera pas, c'est ta parole. Seigneur, nous recommandons cet enfant, ensemble avec ton serviteur, l'instrument que tu nous avais choisi. Seigneur, je sais que tu vas nous parler au travers de lui. Je sais que tu vas nous bénir au travers de lui. Utilise-le puissamment, qu'il soit un instrument, Seigneur, les canaux par lesquels tu vas bénir certains dans cette salle. Seigneur, nous bénissons tout esprit de somnolence, de distraction, d'envoûtement, de faute de pensée, d'opposition à ta parole, tout esprit d'incrédulité. Nous les chassons loin de la salle. Et cela au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de toutes les choses. Nous sommes parvenus au temps, Seigneur, de l'apostasie, les temps où les gens amènent des fausses enseignements pour séduire ton peuple. Mais néanmoins, nous sommes un peuple, Seigneur, dont tu as dit, prenez courage et ne soyez pas dans les tentations de l'ennemi, pour que nous puissions, Seigneur, demeurer dans la parole pure qui est Jésus. Merci pour ce temps, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que l'évangéliste Marcel est en train de passer, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Nous acclamons très fort. Les enfants de Dieu. I bless the Lord for this opportunity to stand here in front of the children of God. Un grand merci au pasteur qui me fait toujours confiance. A big time for the trust. De me donner la chair afin que je puisse, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu avec cette assemblée. Give me this space and come to share the word with the assembly. Je ne sais pas si je veux finir mon message ce soir. Don't know if I can close this message today. Parce que souvent, mon épouse m'a aujourd'hui donc yo le bagarre on va pas nous qui met aujourd'hui on va pas on va pas on va pas. My wife used to tell me when you say that you are not going to be long, you used to be long always. C'est là où je vais beaucoup m'efforcer pour que je respecte. I had to put much effort on that. Il y a des gens qui vont aller très loin. Amen. Because people are going so far. Alléluia. Amen. Je vais apporter un message. I want to bring a message. Si ça ne finit pas, peut-être qu'on aura l'opportunité un autre jour de continuer avec ce message. If we can't finish, I think we get another opportunity to finish it. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire, n'est-ce pas, un texte qu'on a toujours lu, et beaucoup de gens connaissent un peu ce texte-là. Take our Bible and read the text that we used to read. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. We are in the book of Ezekiel, chapter 37. Ézéchiel 37.
Ezekiel 37. Parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé. Amen. 35. Celui qui a trouvé, il peut commencer à lire le verset 1 et il continue à lire. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 37. Je commence au premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit transporter en esprit. Et me déposa dans le lieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très sec. Il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Tu leur diras, ossement de ces chiens, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici. Et voici qu'il y eut un frémissement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai constaté qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair s'est mise à pousser et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise au fils de l'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et s'étèrent sur leurs pieds. Amen. 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 Je bénis le Seigneur. Nous allons intituler, n'est-ce pas, notre message ce soir. We are going to give like a topic of this message. Le vent de Dieu. The wind of God. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire. From this text. La Bible est en train de nous montrer, n'est-ce pas, une situation qui se passe dans la vie de cet homme de Dieu, Ézéchias. The Bible tells us the situation that was going on in the life of Ezekiel. Ézéchias était un serviteur de Dieu. Ezekiel was a servant of God. Mais un bon jour, Dieu l'a visité en esprit pour lui montrer une situation, n'est-ce pas? Spiritually, one day was visited by God. Et la situation que Dieu avait, ou l'image que Dieu avait montrée à Ézéchias, c'est que Dieu avait montré un grand vallée, la vallée. The image that the Lord showed to Ezekiel was a valley. Et dans cette vallée, il y avait, n'est-ce pas, beaucoup d'ossements. And on the valley there were bones. Et quand Dieu lui a montré, n'est-ce pas, cette vision, et Dieu a posé une question à Ézéchias. When the Lord showed him the vision and he asked the question. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils encore revivre? Son of man, can these bones live? Ézéchias, intelligent qu'il était. Ézéchias, wise that he was. Il dit à l'esprit à Dieu. He said to the spirit. Seigneur, toi tu le sais si ces ossements pourront revoir, avoir encore la vie. Know if they can live. Ézéchias était si intelligent à comprendre que moi je suis un homme. Ézéchias was a man to know that he was a et man. Et chaque homme est toujours limité. As a human, we are. Mais le Dieu que lui servait, c'était un Dieu illimité. The Lord that he used to serve. Dieu voudrait voir la parole.
Et Dieu dit maintenant, prophétise. And God said, prophesy. Prophétiser. Prophesy. C'est parler. It prophesizing is speaking. Alléluia. Amen. Prophétiser, c'est parler. Prophesizing is speaking. Parler bien sûr de la part du Seigneur. Speaking on behalf of God. Et l'ordre qui a été donné à Ézéchias. And the order that was given to Ezekiel. C'était de parler à ses ossements pour que ses ossements reprennent la vie. So that the bones can come back to life. Le travail d'Ézéchias c'était de parler aux ossements. And the work that Ezekiel had, it was to speak. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Loving the Lord. Tout ce qui existe à les oreilles. Everything that exists have you. Alléluia. Quand on parle, tout ce qui existe écoute. When you speak, everything that is existing. Et surtout quand on est sous l'ordre du Seigneur. Mostly when we are in the order. Sous le mandat de Dieu. When we are mandated. Quand nous parlons aux choses, les choses nous obéissent. When we speak to things, things hears. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu. Why? Because we have the authority from God. J'ai dit à Ézéchias, parle à ses oreilles. God said to the Ézéchias, speak to those bones. Et Ézéchias a commencé à prophétiser. Ézéchias started to prophesy. Et quand il a commencé à prophétiser, when he started prophesizing, la Bible dit qu'il y a eu d'abord un bruit qui est venu. The Bible said that there was a big noise. Après ce bruit, il y a eu des mouvements. After the noise, there were movements. Vous savez, les ossements de foi, quand ils sont entassés à un endroit, peut-être, n'est-ce pas, la main peut-être à gauche, la tête là-bas. The moment when all the bones are all together, the hands can be apart and the leg apart. Mais quand cet homme de Dieu a commencé à parler, when the man of God starts speaking, la tête cherchait, n'est-ce pas, le cou. And the head was looking at the head. Parce que quand on entasse les choses, you know, when things are together, et les ossements, les squelettes bien aimés dans le Seigneur. Quand on les entasse, we all know skeletons. Il y a possibilité que beaucoup en Amérique ne découlent. When they are all together, there is possibility that they. Il y a la possibilité qu'on n'ose plus aller, n'est-ce pas, plus loin que moi. There are possibilities so that they can disappear. Alors quand cet homme de Dieu a parlé, when the man of God spoke, il y a eu un mouvement. There were movements. Et ce mouvement faisait que les ossements revenaient à l'ordre.